Yo les mecs, c'est Sol, aujourd'hui on se retrouve sur Lucky Case. Alors ça va être un case opening de 434 € comme vous pouvez le constater. Alors contrairement à d'habitude, là ça va être un peu plus spécial. Donc en gros, Lucky Case m'a filé un compte Steam. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas pouvoir withdraw à la fin de la vidéo. Mais, attention, mais... Il y aura un petit giveaway, même un très gros giveaway, donc en partenariat du coup avec Lucky Case. Donc en fonction de ce que je vais ouvrir dans cette vidéo là les gars, si j'arrive à choper un skin à 100 €, ce sera donc ce skin là qui va être mis en giveaway. Donc bien sûr, comme d'habitude, le lien du giveaway dans la description, il faut commenter la vidéo, il faut liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, tout ce qui est retweet etc de Twitter, tout ça de toute façon sera dans la description. Sans plus attendre, on va passer directement aux ouvertures de Case. Je sais pas du tout spécialement qu'est-ce qui... Ouais d'accord, ok, c'est que du bleu. C'est que du bleu. Et... Ok, d'accord. Ok. Je vais revendre tout ça quand même. Je vais le revendre tout ça parce que d'accord. Donc c'était pas très intéressant. La Chernobyl n'est pas assez intéressante. On va ouvrir la Easter. Ah, la Easter, elle peut être vachement bien. Il y a pas mal de petits couteaux. Moi, je pense qu'on va tomber sur un petit truc comme ça. Ah, voilà. Ah, voilà. Fade Zebra qui a 5 € quand celle-là on va la revendre aussi, c'est pareil. On va ouvrir des Black April, on va en ouvrir 4. Bim, ça fait 7, 34 €. J'espère qu'on peut tomber. Une petite Ikez Ardenen ou un petit USP Orion. Par contre, il est complètement abîmé votre USP Orion. D'accord, ok. Donc je suis toujours pas dans le profit pour le moment. On va tenter la petite case Spring à 18 €. Et franchement, elle est pas dégueulasse. Faut juste éviter de tomber sur les petits trucs comme ça, M41S, flashback et tout ça, mais bon. Avec la chance que j'ai, on sait pas, on va voir. Ah putain, MP87. Putain, ça coûte 9 €, la case a coûté 18 €. On va ouvrir aussi une case bang. Il faut qu'on soit dans le profit, tout simplement. Ah. J'étais en train de dire faut qu'on soit au profit, je vois la M9 arriver, je me suis dit putain. On va ouvrir 4 cases toujours. C'est dommage qu'il n'y a pas 5, je sais pas pourquoi c'est 4, pas 5. Bon bah écoutez. La case est assez intéressante encore une fois. Là c'est que du rose. Mais vous savez très bien qu'il y a certains roses qui ne sont pas du tout assez rentables. Donc j'espère qu'on va faire un peu de profit sur celle-là, ce serait bien. On n'a pas fait encore un seul profit quand même. Hein. Et on fera toujours pas de profit. La restricted, on va en ouvrir encore, et comme toujours, 4. Tout ce qui est petite case, voilà, je me fais plaisir, j'en ouvre pas mal d'un coup. C'est plus sympa. Même si actuellement, on fait pas beaucoup de profit. Parce qu'on en fait pas du tout. J'ai pas fait un seul profit, en fait, pour le moment. 25 €. La case, je sais même plus c'est quoi. Covert, j'imagine. Et vous savez quoi, on va tomber soit sur les R8 Fade. Soit un Desert Strike, mais j'espère à imaginer une petite Médusa. Ce serait sympa. Mais faut que je chope un truc pour vous, vraiment un truc à 100 €, ce serait super. Oh là 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 là, et je l'avais dit, il y a Desert Strike. Bon, ça fait 23 €. La case Spectrum, on va pas l'ouvrir, hein. Ça m'intéresse pas vraiment. Alarme, qu'est-ce qu'il y a dans l'alarme? Mais c'est pas des cases très intéressantes en fait. On va la tenter. On va la tenter quand même, parce que voilà, il faut ouvrir des cases, il faut le beau jeu. Et il faut peut-être faire du profit, pourquoi pas. Sur des cases comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Ah, bon, vous savez quoi? Mystery, on en ouvre 4. Ça fait 50 €. Et j'espère que c'est un bon petit truc. J'espère que ça va être un bon petit... Eh ben, y a rien du tout. Là, j'ai un couteau là, J'étais entre deux couteaux. J'ai rien du tout. Ça me fait 26 €. Les fades, elles sont assez connues, les gars. Vous connaissez très bien les fades. Donc, on va en ouvrir 4. Vous connaissez hein, les bails. Hein, c'est soit ça, soit ça. Hein, souvent, ou le Mac 10, mais voilà. Les Mac 10, mais c'est jamais les couteaux. Moi, j'en ai jamais eu personnellement. Après, avec peut-être de la chance pour une fois. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez quoi? On va rouvrir encore une fois. Ça fait 8 cases fade. Si on a de la chance, on peut choper un petit couteau. Ah, je voyais le couteau là. Non, toujours pas. Bon, mais écoutez, on a toujours pas rentabilisé ce case opening. Heureusement que c'est pas l'argent que je paye 8 €, parce que là, ça m'aurait fait un peu chier. Carrément, je vous le dis carrément, ça m'aurait fait vraiment chier. Surtout que c'est marrant parce qu'ils vont pas tous à la même vitesse, donc je suis un peu perdu. Ah, là, c'est du profit par contre.
Ouais, c'est du profit. C'est du profit de 3 euros. C'est la fête! C'est la fête! On va ouvrir une petite case AWAP. Et y a pas la dragon... Ah si, d'accord. Donc, ils ont mis la dragon lore, mais en... Certainement Baltos Carred, hein, j'ai l'impression. Ou Elwand, peut-être. Je sais pas. Bon, allez, on va tenter... C'est marrant, je t'allais mettre une field tested, et là, il la met pas du tout en field tested. Donc ça, c'est drôle. Ah, Hyper Beast, ça, c'est du profit. Mais il est complètement dégueulasse, votre case, là. Ah, c'est quand même du profit, ça me fait 18$, ouais, voilà. Bon, on va en rouvrir une. Je lui ai fait du profit de dollars, mais on sait jamais. On va en rouvrir une. Avec un peu de chance, on va tomber sur la dragon. Ou pas du tout, on va tomber sur des... Il y a des Sawed-off sur des cases... Ah ouais, d'accord, je suis toujours dans le profit. Bah, on va en refaire une. Tant que je suis dans le profit, moi, j'ouvre vos caisses, les gars, j'ouvre vos caisses. Sachant qu'il y a la Médusa aussi, je crois. Hein. Je crois avoir vu un Médusa... Ah là, c'est pas du profit. Bon, là, c'est pas du profit. On va arrêter avec cette case. Et là, je vous dis tout de suite, on tombe sur une petite Fire Serpent. Une toute petite Fire Serpent. C'est du profit. C'est du profit, je crois. Ça me fait 30 balles. Ouais, c'est du profit. On va en rouvrir encore 4, alors, du coup. J'étais un peu dans le désespoir quand j'ai vu les deux Safari et tout ça. Là. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est encore du profit, bah j'en rouvre, je rouvre. Sachant que la Fire Serpent là, elle a fait vraiment de l'œil. Et on peut peut-être choper cette Fire Serpent. 21 balles. Bon, écoutez, on va arrêter avec cette case. Bon, malheureusement, on va rien choper de bien. J'aimerais bien choper un bon truc, genre bien bien stylé. Mais au pire des cas, à la fin, on va ouvrir des gros trucs. Donc ce sera soit des gants, enfin les gants et les couteaux. Donc il y a moyen de faire un peu d'argent. Ah, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal, mais on va en ouvrir 4. C'était pas trop mal. Bon, là, c'est dégueulasse. Alors là... Oh, quoi, 18 balles? Ah, très bien. Ok. D'accord. La caisse Blood. Alors, si on en ouvre 4, ça fait combien? Ça fait 73 euros. Il me faut 200 balles. Ça fait cher. Je vais en ouvrir 2. Je vais ouvrir 2 caisses Blood. J'espère faire de l'argent là-dessus. Pas de Scarvin. Ça sent le Scarvin, ça. Les Glocks. Bon, vous connaissez très bien les Glock, le Water Elemental, c'est ce qu'on peut d'avoir le mieux, ou Westland, mais bon, il n'est pas top. Voilà, moi, c'est toujours du bleu. C'est toujours du bleu, ça ne changera pas. Ah, j'avais pas vu la nuit. Oh là là. Bon, on va s'ouvrir. On va s'ouvrir 4 Ardened. Ça fait 51 euros. J'ai payé 51 euros la case pour me faire 10 euros. Ah. On va encore faire la M4. On a de quoi ouvrir des M4. Donc on va faire 18 euros de M4. Je vais voir après si j'ai pas des trucs à vendre. Et on va essayer d'ouvrir les 3 grosses cases du coup du site. Il y a la Posidon qui tombe juste à côté. Ça me fait 297 euros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir par la Nook Knife à la fin. On va commencer par la Knife tout simplement. Bon, je pense que tout le monde... connais un peu les bails, ça a certainement des Shadow Daggers, des choses comme ça. Vous inquiétez pas, je vais pas revendre celui-là. Enfin, on va voir en fonction de ce que je vais dropper. Et si je peux ouvrir des new knives, j'arrive pas à le dire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous choper vraiment un skin le plus proche des 100 euros pour que vous le gagniez tout simplement. Donc c'est parti, on va choper un gut. Ça, je le sentais, je vous l'avais dit. Donc on chope le gut. Il me reste quand même 200 euros. Donc là, je suis à 91 euros la case. Je sais pas vous, mais les Rust Coat. Je trouve ça tellement moche. Là, l'effet rouillé, c'est tellement moche. Moi, j'espère tomber sur des gants. Franchement, si on tombe sur des gants à 100 euros, les gars, c'est ça que je vais vous faire en vidéo. C'est parti. Fallait qu'on tombe sur celui-là. Il me manque. Bah oui, comme par hasard, il va me manquer du coup 10 euros pour ouvrir la Nook Knife. Ce qu'on va faire, c'est que je vais revendre celle-là. J'espère tomber sur un truc qui s'approche des 100 euros. Franchement, pour vous le faire gagner. Alors, si je dis pas de conneries, ça s'approche des 70 euros. Donc ça, ce serait pas trop mal. En fait, il faudrait minimum ça. Et maximum, voilà, au-dessus. Sachant qu'ils m'ont dit, voilà, c'est 100 euros, aux alentours de 100 euros. Donc, faut vraiment que j'essaie de me rapprocher le plus. Je pense que si c'est un peu plus, ça ira aussi. Donc, je vais ouvrir ça tout de suite. Et on va prier. Ça, c'est bien, ça, c'est très bien. Là, voilà, les gars.
Donc ce qu'on va faire, c'est que ce couteau là, le Gut Knife Autotronic à 114€, ça va être du coup le couteau qui va être à gagner, les gars. Donc voilà, vous allez avoir une chance de gagner ce magnifique couteau. On va rouvrir une élite. Et cette fois, j'espère qu'on ne va pas tomber sur un Ruscoat. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez du coup votre couteau. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, derrière, comme je vous le disais, voilà. Donc, c'est une vidéo qui est un peu... comment dire, pour moi, j'ai rien à gagner à cette vidéo-là, à part vous faire gagner quelque chose. Et du coup, faire une vidéo tout simplement d'un case opening. C'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat-là. Et on va finir sur un petit R8 Revolver, tout simplement. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, partagez tout ça. Je ferai le tirage au sort de tout ça. Enfin, c'est même pas moi qui va gérer le giveaway, du coup c'est Lucky Case directement en partenariat, comme je vous ai dit, qui va gérer ça. Bisous bisous à vous, ciao ciao.